Salut tout le monde, on se retrouve ici pour un nouveau vlog. Cette fois-ci, je suis pas accompagné de Cléo, je suis accompagné de personne juste avec moi-même. À Reykjavik en Islande, c'est une dinguerie totale. J'y crois toujours pas. Là, je vais aller du coup prendre mon hôtel et on va faire un petit tour de la ville. J'espère que ça va être fun. C'est parti. Donc là, je range mes affaires et on y va juste après. La température, elle est sismique. Comment il fait froid? C'est une dinguerie, je suis garé depuis quelques secondes, il y a déjà du verglas. Putain, ça glisse d'une force. Hello, where can I have... Oh putain, l'anglais ça va être compliqué. Pourquoi personne parle anglais? Putain, je sais pas si j'ai le droit de me garer où je me suis garé. J'avais pas le droit de me garer là. Je suis mort de rire. Celui qui s'occupe de l'hôtel, il est français. Donc on a une interaction normale. On découvre l'hôtel? Allez, c'est parti. Je m'étais trompé de porte. Ok, ça ouvre. C'est parti. Il arrive un moment que j'arrive pas à fermer la porte. Ok, c'est bon, la porte est fermée. Ok. Ça, c'est vraiment une toilette salle de bain où, genre, je peux chier tout en avant. On va découvrir la vue. Ok. Ah oui. Toi, c'est une dinguerie qui neige. J'en reviens pas que je suis là. Et j'ai un mot de My Little Trip, je vous en reparle plus tard. C'est grâce à eux que je suis parti, c'est pas un partenariat. Mais ils m'ont aidé à organiser tout le voyage, tout ce que vous allez voir. Et tout ça, c'est grâce à eux, parce que sinon j'aurais eu la flemme de tout préparer. Donc ils ont envoyé toute l'équipe My Little Trip, vous souhaite une excellente journée, profitez bien. Adorable, franchement, sur une fréquence en plus. J'aimerais bien désactiver mes réseaux, je vais essayer de faire ça, pour profiter à fond et pas être sur mon tel. Je filme mes premières senties. Déjà, l'aéroport, j'y croyais pas. J'étais dans l'avion, j'y croyais toujours pas. J'ai pris la voiture, j'y croyais toujours pas. Là que j'y suis, j'y crois toujours pas. C'est trop beau pour être vrai, limite. C'est un petit rêve d'enfant d'aller en Islande. Ça va être ouf. Aujourd'hui, vraiment, on visite la ville. Bon, il va faire nuit, hein, c'est pas grave. Ça me fait du bien. Et ça va me faire du bien, tout ça. J'ai déjà perdu mes clés de voiture. Trop con, ils sont dans mes poches. Je suis trop débile. On va se balader, on va essayer de trouver un endroit. Je crois que la mer, elle est par là. Oh, c'est magique. J'ai l'impression d'être Noël. Il fait tellement froid, c'est une dinguerie. Oh. Putain, c'est une dinguerie totale. La couleur des bâtiments sont si joyeux. Ça donne envie de sourire quand tu vois un bâtiment rouge. Oh là là, c'est magnifique, putain. Oh là, bâtard. Quoi? Non mais je vais pas me faire insulter par un magasin en fait. C'est magnifique. Oh là là, j'ai l'impression d'être dans un autre pays. Donc, en face de moi, on a une salle de concert qui fait restaurant. C'est une magnifique salle de concert, vous allez voir ça. C'est bien gentil, mais actuellement je me gèle à mort. Mais ça vaut le coup, putain. Donc en fait, je vous explique un peu l'objectif, c'est voir des aurores boréales. Ça va être ouf, ça va être incroyable. De ce que je vois là pour l'instant. Faut savoir un truc sur l'Islande, c'est que y a des trottoirs et les trottoirs sont chauffés grâce à la chaleur des volcans. Et je trouve que c'est une dinguerie. Du coup, il n'y a jamais de neige sur les trottoirs. Ça se sent que c'est chauffé, quoi. La spécialité de l'Islande, c'est quand même les poissons. Donc je pense que je vais me faire un fish and chips juste après. Évidemment, l'Islande, c'est quelque chose de très très viking. Parce que bah, les vikings, c'est les premiers à avoir colonisé cette île. Ils ont gardé le même style pour avoir les noms de famille. C'est-à-dire que leur nom de famille, à nous, c'est exemple... Martin, machin. Ici, c'est le prénom du père. Fils de machin. Le prénom du père. Et je trouve ça incroyable d'avoir gardé cette culture. Et donc là, on se trouve devant l'église de Reykjavik, la célèbre église. C'est vraiment magnifique en fait, bordel. Sur les photos, je me disais, putain, c'est vraiment juste une bite, cette église. Mais non, c'est vraiment magnifique. Putain, c'est trop beau. C'est magnifique. Putain de merde.
On va aller manger là, je suis affamé, c'est abusé. Petit fish and chips que j'ai vu là-bas, je vais me régaler. Deuxième truc que je remarque après qu'il y a énormément de magasins sur les Vikings, c'est qu'il y a énormément de salons de tatouage. Il y en a quasiment un à chaque rue, si ce n'est deux. Allez, c'est parti, on va au resto de fish and chips. Je sais pas lequel je vais prendre. 2690, ça fait 18 euros, c'est cher. Mais bon, ça a l'air vraiment bon. Ok, on va goûter le jus d'orange. C'est du jus d'orange quoi. Donc j'ai pris fish and chips avec une sauce tartare. Dingue total, c'est super bon. C'est chaud. Il est trop bon. J'ai remarqué aussi qu'il n'y avait pas de Uber ici. Quand je voulais aller à l'endroit où j'ai loué la voiture, je voulais prendre un Uber, mais ça n'existe pas en Islande. J'ai essayé de me couper des réseaux, mais c'est vraiment pas possible. C'est vraiment difficile. Faut que je dise à mes amis que c'est trop bien. C'est vraiment difficile. Je me rends compte que c'est vraiment une vraie addiction. J'ai lu qu'il y avait de la vie un peu à Reykjavik de nuit. Alors on va aller voir ça ensemble. Imaginez, je suis en boîte de nuit. Je peux pas finir en boîte de nuit en déguisement pour faire du ski. Pour l'instant, je suis un peu seul au monde. Mais dans cette première soirée à Reykjavik, c'est vraiment qu'il y a envie de rester à Reykjavik. Après, les autres soirs, on sera pas du tout à Reykjavik. Et les maisons rouges, en fait, je sais pourquoi j'aime bien. Ça me fait penser à des maisons en pain d'épices. Je sais pas pourquoi. Juste derrière moi, d'un bar a priori, les deux DJ sont assis. Qui a déjà vu une ambiance aussi délétère? J'ose absolument pas rentrer. Oh, il y a un mec qui rentre. Oh, l'ambiance a l'air terrible. Il y a un sentiment que je vais avoir du mal à exprimer, c'est que ici, on se sent vraiment en sécurité quand on marche dans la rue. Je sens qu'il n'y a aucun problème. Pourtant, j'ai pas encore vu un seul policier. On dirait vraiment un parking de dessin animé. J'ai reçu une notification sur mon téléphone parce que j'ai installé une application pour détecter les aurores boréales. Et a priori, il pourrait en avoir. Peut-être que je vais prendre la voiture pour aller voir ça. Ça dépend de ce que je vois dans la rue. Mais pour l'instant, ça m'a l'air mort, je sais pas. Ça, c'est la rue... La rue de la soif de Reykjavik. Ok, bah Internet m'a menti parce que la rue ne ressemble pas du tout à ce que c'était censé faire. Il n'y a absolument rien. J'aurais dû regarder sur la map avant parce qu'il n'y a aucun bar. Bon, bah on va rebrousser chemin. Mais à première vue, Reykjavik est complètement mort le soir. J'ai fait de la vie un peu à Reykjavik de nuit. Donc là, je viens de rencontrer des petits des Islandais. Ils m'ont indiqué qu'il y avait des bars par là. Donc on va aller voir ça. Ils m'ont dit qu'il y avait des bars partout. C'était eux. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi. Il y a énormément de micro-casinos. C'est vraiment des petits casinos. Et pareil, l'ambiance est complètement délétère à l'intérieur de ces casinos. Autant à Milan, que la glace, c'était normal, c'est super chaud. Mais là, je ne vois pas l'utilité. Hi my friend. Hi, what's up? I'm fine. How are you? I'm very good. And you? Where from? I'm from Paris, France. Where? Paris. Ah, Paris, France. So, bonjour. Bonjour. Okay, nice to meet you, man. Nice to meet you, bro. See you. Hey, hi. Au sol, il y a une genre de marelle géante. Je la remonte, putain, je suis à 80. Ça va jusqu'à 106, et à la fin, t'as ça. L'enfer. On t'accueille comme ça. Du coup, en fait, c'est cette rue-là, en fait, la rue à bar. Et ça se voit, il y a beaucoup de boîtes de nuit. Il y avait beaucoup de gens dehors, mais je me sens pas, là je suis pas habillé pour une boîte de nuit. Mais comment on peut être habillé pour une boîte de nuit à cette température, wesh? Et je me demande un truc que je me suis pas demandé tout à l'heure, c'est quoi le prix des boissons? Le bar que j'ai été voir proposait un cocktail entre 2690 couronnes islandaises et 2800 couronnes islandaises. Donc ça se situe en prix entre 18 et 20 euros, ce que je trouve énorme pour un cocktail. Là ici on a... Il leur va à 780 couronnes, donc à 5 euros. Par contre, les boîtes ont l'air vraiment, vraiment stylées parce que ça ressemble à des maisons en fait. C'est clairement des maisons. Mais il y a un videur à chaque bar par contre.
c'est hallucinant. J'avais une théorie comme quoi chaque ville avait une odeur. Bah écoute, c'est faux. Cette ville ne sent pas plus bon, pas moins bon que d'autres villes. Par contre, il y a un énorme foutage de gueule sur les happy hours. Les happy hours qui font de midi à 15h, c'est pas des happy hours. Tout à l'heure, il y a eu 18h. J'ai vu 18h grand max en termes d'happy hours. C'est abusé, personne ne va boire à fond 19-20h. Autre culture, hein. Bon, j'ai un peu fait le tour du coup des bars, enfin de l'extérieur évidemment des bars. Un truc me frappe, c'est que c'est surtout des boîtes de nuit, que l'happy hour est super tôt et que le prix des boissons est exorbitant. Ça devient, si c'est à 8€ le verre de vin, ça va, ça devient ce truc là. Bon, en vrai, je suis un peu fatigué. On se retrouve ici le lendemain. Là aujourd'hui, on va bouger, on va aller un peu plus loin, on va aller voir des cascades. Tietier. 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 J'ai rien compris. Bye. Bye. French people. Yeah. Je vis toujours des expériences bizarres avec des gens, j'en ai marre. Waouh. Là où je suis, c'est une dinguerie. Putain. Totale. Je crois qu'il y a une autre cascade un peu plus loin. On va peut-être essayer d'y faire un saut. Mais il faut qu'on soit à Reykjavik avant 20h. C'est légendaire. C'est légendaire, putain. Donc là, il va falloir vraiment qu'on rentre à Reykjavik. Par contre, la nuit tombe. Par contre, je suis gêné de ouf. J'avais laissé tout en bordel. Un peu, on m'a rien à foutre. Je rentre. Tout est rangé. Tout est bien propre. Ma valise quasiment en fait, et mes strings, mes calvars qui sont posés là. J'ai tellement honte. J'ai rencontré des Portugais, j'ai rencontré une Anglaise, et ils m'ont dit on a vu des aurores boréales à Reykjavik, même s'il y a beaucoup de nuages, vas-y balade-toi dehors. Mais c'est ce qu'on va aller faire, on va se balader, on sait jamais. On a 30% de chance d'en voir une. On se retrouve ici les amis, on est à côté du volcan, celui qui a eu une éruption très récemment. C'est magnifique, c'est incroyable, je ne sais pas comment on monte ce volcan par contre, parce qu'il y a un dénivelé de malade si c'est ça. Incroyable! Là-bas, on voit la vapeur faite par les volcans. C'est magnifique. Ça s'appelle des fumerolles. En fait, c'est une condensation des gaz. C'est des gaz qui sont toxiques. Toute la terre marron là-bas qu'on voit, c'est du magma qui a refroidi. C'est magique. Je croirais jamais voir ça. Je crois pas, j'ai l'impression d'être dans un rêve encore. Et je crois ce qu'on voit là-bas, c'est du soufre. Vu la couleur, ça y ressemble énormément. Je vais pas m'y approcher pour être sûr, ça c'est sûr. Bon, comme vous pouvez voir, finalement, on est rentré juste après le volcan. Pourquoi je dis on alors que je suis tout seul? Je suis rentré juste après le volcan parce que la nuit commence à tomber. Ah oui, petit moment. Je sors de la voiture, j'entends un klaxon. Je savais plus dire klaxon en anglais et là je le sais toujours pas. Donc le mec ouvre sa fenêtre, je demande excuse me, you beep me. Et finalement non, c'était pas pour moi. Je quitte l'hôtel, c'est fini cette aventure. Mais non, c'est pas fini à 100% parce que là on se dirige avec du coup les guides. Bon, j'ai aucun cadeau pour personne, mais aussi les prix sont abusifs. Donc je suis désolé pour vous. Votre souvenir c'est moi, non? Oui, je fais ça pour la caméra. Oui, oui, je vis pour les caméras. Mais avant d'aller au point de rendez-vous, j'ai une dernière chose à faire. Allez voir le podcast.
Ok, bon, je suis désolé pour la qualité, là c'est avec mon téléphone parce que tout est rangé, ça me fait un peu chier. Quand j'ai déposé la voiture au service de location, c'est juste sur Google Maps que j'avais en fait 3,5 km à marcher avec la valise pour pouvoir aller à l'aéroport. Donc c'est parti, je commence à marcher et tout, et là vraiment, même pas un kilomètre, j'ai marché beaucoup aujourd'hui, je suis éclaté. J'ai pas dormi, je suis fatigué d'un niveau incommensurable. Et donc je commence à marcher et je fais oh putain c'est chaud. Et là, je ne sais pas par quelle puissance divine, je croise une voiture, je fais un pouce comme ça un peu à l'agro, il s'arrête. Je fais waouh, premier essai, premier arrêt. J'étais trop content. Et donc ils avaient 17 ans et je viens d'apprendre qu'en Islande on avait le droit de conduire à partir de 17 ans. Je trouve ça incroyable. Et donc j'ai fait une dernière rencontre en Islande qui est magnifique. Et le mieux du mieux, c'est que je pars de l'Islande avec des putains d'aurores boréales. Je pensais vraiment pas que ça allait se faire comme ça. Je pensais pas avoir d'aurores boréales. J'avais complètement abandonné l'idée et c'est pour ça que je vous dis très haut et fort, n'abandonnez jamais vos idées. Allez toujours à fond. C'est trop important. Je sais pas, je me dis que c'est peut-être le destin qui m'a fait faire ça. J'ai aussi du coup été faire le truc avec le guide. Très très drôle, très sympa. Un moment c'était horrible parce que j'arrivais plus à suivre ce qu'il me racontait. En gros c'était un groupe de 5 personnes et le guide me raconte un truc pendant 2-3 minutes et je décroche. Mais genre au bout de 30 secondes je décroche et je pense. Puis je raccroche un peu et je commence à entendre ce qu'il fait. Je sens une intonation, je me dis, ah, cette intonation, ça doit être une vanne. Du coup, je rigole. Il me regarde dans les yeux, il me dit, pourquoi tu rigoles? Donc voilà, hein. Conclusion, c'était un peu gênant ce moment-là, mais sinon, il était très gentil. Voilà, et donc là, je suis arrivé ici, prêt à partir, prêt à prendre mon envol. Je suis content de rentrer, je suis fatigué. À l'heure où je vais rentrer, il sera à 10h. 10h30, donc je vais rentrer vers midi chez moi, 11h30. Merci d'avoir suivi ce road trip en Islande, j'ai eu des galères, mais j'ai eu aussi beaucoup de choses belles, magnifiques, j'ai pu réaliser mes rêves, et je pense que je suis quelqu'un d'autre. Je pense que je suis vraiment quelqu'un d'autre. J'ai un peu grandi. Voyager seul, ça fait réfléchir, ça fait penser, c'est important de rien lâcher. Sur ces belles paroles, merci. N'oubliez pas de vous abonner, la cloche, et liker, et partager. Bisous à tous.